C'est là que ça sera bon. Thank you.
Voilà, pas. Ok, désolé pour ceux qui n'ont pas entendu, ça fait peut-être 15 minutes que je parle dans le vide, bref. Pour vous, j'ai présenté un petit peu les techniques, les différentes techniques de combat du jeu, hein. Tout simplement. L'idée c'est que voilà. À copier mes mouvements, merde en fait, hein, sur le stream, non je déconne. Je sais pas si je ferai peut-être un petit montage sur le début du truc, mais bref, ouais, je pense pas en fait. Hein. Dans tous les cas, au début, ce que je présentais, c'était les débuts, c'était les techniques, l'infinite combo, globalement. Et bah, un petit peu, bah voilà, c'est de l'optimisation vraiment. Mais l'idée, c'est que bah, dans les premiers niveaux, le premier niveau, vous tracez votre race, vous passez les passages obligatoires, vous tuez les ennemis rapidement. Utilisez le bâton quand il faut, voilà, quand je l'utilise moi, vous l'utilisez aussi, c'est intéressant. Et sinon, vous tuez le boss en faisant des dive kick, up kick, et vous faites le combo R plus L, et vous tuez l'ennemi très rapidement. Donc là, on récupère le Kamehameha niveau 2, bah voilà. Donc là, faut faire attention, ces ennemis font très très mal quand ils explosent. Là, ici, tu peux charger ton Kamehameha niveau 2, et le Kamehameha niveau 2, il les tue. 94-96, c'est 80 points de vie les ennemis. Bah, ça les tue. Et là, ici, bah, on refait pareil. Voilà. On fait un skip. Alors, ce skip là, il fait gagner du temps. Regarde si je compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Alors en sachant que j'ai perdu peut-être 2 secondes. Allez. Si je fais ça, voilà. Donc là j'ai pris 15 secondes. 1, 2, 3. Voilà, j'ai gagné 12 secondes. Bonjour. Donc là ici ce que je fais, ce que j'aime faire, c'est tuer les ennemis qui sont sur la gauche. Enfin sur la droite en premier normalement. Bon là je l'ai pas fait, voilà, mais ça dépend aussi de comment il se déplace. L'idée c'est ça. Ici ce que tu vas faire c'est quand tu vois le truc apparaître, tu vas commencer à charger ton Kamehameha. Tu vas tuer l'ennemi qui est devant toi, tu vas te retourner, Kamehameha niveau 2, et après le dernier il apparaît. Petit wall climb ici, enfin petit wall click, et puis voilà. Donc ici, bon, ce que tu veux en fait c'est focus sur l'ennemi qui est là. Le grand parce qu'en fait,
c'est la chanson. Moi. Voilà, mais l'idée c'est de focus le grand parce que le grand peut se barrer et le petit tu vas essayer de lui mettre des infinite combos et s'il te reste du ki bah tu l'utilises. Voilà. Ok. Rien de très compliqué. Ici bah c'est juste je cours, je tue, je cours. Hein. Alors si tu veux pas t'emmerder avec les ennemis, dès que tu croises un ennemi, tu lui mets un coup comme ça. Ici tu peux réutiliser encore ton truc, sinon tu pètes les rochers, hein, voilà. Rien de plus méchant. Moi, le petit actif pour donner des points pour faire un truc plus... Plus haut, ouais. Plus haut, t'as... tu l'utilises de temps en temps, quand même. Ouais. Donc là, ici, une fois que tu dépasses ce rocher, là, tu reviens en arrière pour tuer les deux ennemis. Tu t'enchaînes. Alors, tu me vois toujours sauter, relancer par un dive kick, c'est pour aller un petit peu plus vite. C'est une habitude que j'ai pris finalement, mais ça te permet aussi d'avoir l'avantage en fait sur tous les dégâts que tu vas faire. Parce qu'en gros, si je dive kick ici là par exemple, si je dive kick en fait, je vais faire des dégâts quoi. Et donc je vais taper l'ennemi en premier. Ici pareil, soit tu fais le petit saut, soit tu fais soit tu détruis les trucs. Bon là, si tu vois que t'es pas dans le cycle, hein, t'attends, bien sûr, parce que tu vas prendre des dégâts et c'est un peu con. Tu vas te réjecter en arrière, etc. C'est une perte de temps. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit dive parce que ça donne un tout petit boost de vitesse juste avant de récupérer l'item. Donc là, tu vois, petit dive kick ici. Alors, faut faire super gaffe ici parce que c'est un endroit où tu fais même pas. Donc là, ici, soit tu passes direct, soit tu vas retourner chercher le truc. Ça, c'est de l'invulnérabilité, donc c'est pas très bien. Et là, du coup, tu t'emmerdes plus de rien. Essaie de toucher le max d'ennemis pour régénérer ta barre de ki. Que ça va régénérer ta barre de vie. Et t'en as besoin parce que t'as un boss fight, tu dois affronter Krillin à la toute fin, donc ça peut être grave. Ok, c'est intéressant. Alors si tu veux régénérer encore plus, tu mets des clips pour en plus seul. Mais comme t'as tellement d'ennemis sur le passage, à la fin c'est bon en fait, l'idée c'est que t'auras normalement ton truc quoi. Donc là ici, ce que tu peux faire, alors, tac, tu passes là, tu reviens là et tu fais un dive kick, sans avoir à monter sur la plateforme. Là pareil, on refait le petit kick. Et là, si tu sautes bientôt, t'as le temps de récupérer ça. Donc normalement, t'en as pas besoin, parce que tu rushes. Et si t'es vraiment low life, bah tu penses à le prendre, parce que ça peut être utile, très limp, quand même. Et là, du coup, tu vois, on a récupéré les deux barres. Maintenant, on a juste à courir. Et puis, très limp, bah... C'est un boss que je fais un peu différemment. Parce que je l'envoie dans les airs. Voilà. Krillin, c'est quand tu peux l'envoyer dans les airs, lui mettre des up kick, dive kick constamment en fait. Derrière, tu peux lui mettre les deux en fait Dragon Rush, on appelle ça, de suite, mais ça lui fait très mal. Et là, il a même pas eu le temps de me taper, même pas eu le temps de bouger, quoi. C'est rare qu'il te touche pas. Ouais. Ici, alors, si t'as pris l'upgrade par inadvertance, tu vas gagner du temps sur ce mini-jeu-là, parce que t'auras besoin de faire que 3 coups de Daiboken. Alors, le Daiboken, c'est le coup de rouler-bouler sur le bâton quand il tourne sur soi-même. Et en gros, là, tu vas devoir le faire 4 fois pour détruire les rochers, et c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, les rochers ils vont pas aléatoirement. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on voit que les deux se foutent en même temps. Et bon, on peut péter les deux en même temps. Donc, si t'as de la chance. Voilà. L'idée c'est de faire que ça, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Alors, il faut en détruire 10 et voilà. Ici ça c'est le mini-jeu. C'est pas un mini-jeu mais. Voilà, c'est pour t'apprendre à te battre. Donc là ce que tu fais, tu lui fonces dessus, voilà, et là tu vas prier parce que c'est de la RNG. Là tu recules. C'est le moment où tu dois te défendre. Voilà.
Donc quand il est proche de toi comme ça, il peut pas frapper. Le troisième, normalement, je crois que tu peux charger ton Kamehameha. Ou c'est le premier, tu peux charger ton Kamehameha. Voilà, donc tu peux, ici tu peux juste chercher ton Kamehameha, tu le rebalances, et ça gagne le truc. Parce qu'en gros le truc c'est d'éjecter. Donc faut vraiment que le dernier coup éjecte par contre. Et là, bah tu vas lui foncer dessus, et tu vas l'envoyer des lasers. Et puis dès que tu peux, tu vois, je l'ai fait hyper tôt, pour que le coup le fasse retomber tout de suite. Voilà. En gros, tu maintiens vers la direction vers la droite, en gros. Ok. Et au bout d'un moment, en fait, ça va l'éjecter. D'accord. Mais ça jette. Ok. Et dès qu'il est tout en haut, en fait, tu vas faire le coup vers le bas. Tu vas faire B et vers le bas. Ah. Voilà. Et ça va le faire, ça va le faire tomber. T'as pas besoin de lui donner de coup. Tu lui mets juste, tu le fais juste retomber au sol très très vite. Ok. Très bien. D'accord. Là, c'est juste le stick vers le bas et c'est ça. Et donc là, en fait, ce que tu vas faire, bah, tu vas me regarder faire, parce que là, on va se servir du Kamehameha. Tout le temps. Vas-y, parce qu'il y a une catégorie de Tyrone. Il y a que le boss rush. Oui, le boss rush, ouais. Voilà, le boss rush. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Kamehameha en diagonale pour toucher en diagonale tout du long. Voilà. Voilà, tu fais ça. Le Kamehameha en diagonale. Et basta. Alors. Le truc c'est qu'en fait il faut que ça touche toute la longueur et que ça explose le mec contre le rebord. Si ça fait pas ça, c'est dommage. Et du coup je vais le refaire sur Nam. Tu vas voir. Donc si Nam commence à être chiant comme ça, à te taper, tu fais le coup up plus B, donc tu mets la direction vers le haut et B, tu vois Goku qui se met en position du singe un peu. Ça va contrer. D'accord. Et maintenant ce que tu fais c'est que tu mets ton stick vers le bas, tu fais B. Voilà. Et ça casse la garde, mais de ouf. Et ça fait des dégâts. Ok. Voilà. Et ensuite, dès que t'es comme ça, tu fais gauche-gauche, enfin droite-droite-droite ou gauche-gauche-gauche, qu'importe. Et tu l'envoies dans les airs. Alors normalement, il faut que tu commences à charger ton Kamehameha un petit peu avant. Donc là, tu vois, j'ai été obligé de le faire comme ça. Pourquoi on le fait en diagonale? Parce que la diagonale va traverser plus de hitbox que la ligne d'un rectangle. Surtout qu'en plus, le rectangle, il est vers le... C'est la hauteur qui est la plus importante, et non pas la largeur. Donc là, du coup, ce que tu veux, c'est vraiment toucher le plus de largeur possible avec le Kamehameha. Sauf que le Kamehameha, si tu l'envoies en horizontal, il va passer très vite. Alors que si tu l'envoies en diagonale, il va passer un peu plus lentement aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher la diagonale de la hitbox des adversaires pour que ça fasse le plus de dégâts. Alors, je vais aussi te montrer vite fait. Montrer les Kani Combo. Donc là en fait ce que tu fais pour faire de l'extended combo, c'est qu'en gros tu vas faire BBB sans direction, d'accord, ça va l'envoyer contre le truc et ensuite dès que le coup est parti tu fais gauche et tu continues de faire B. Alors, tu vois, j'ai pu le rechoper avant qu'il tombe. Ouais. Et en faisant ça, en fait, après tu mets le Kamehameha. Alors, faut que tu charges ton Kamehameha en même temps que tu fasses ça. Mais en gros, tu fais BBB, tu vas l'envoyer contre le stage, et dès que le stage est... Enfin, dès que c'est fait, en fait, dès que le troisième coup est parti du B, tu mets gauche et tu continues de spammer B, en fait. Ouais. Et comme ça, en fait, ça va te permettre d'étendre le combo. Et du coup, tu peux mettre 7 coups au lieu de 3 ou 4. Tu vois. Et en fait, ça te permet de tuer certains boss très très rapidement en skippant certaines phases. Donc là, le Kamehameha envoie 14 hits. Alors là, ici, je vais faire un truc avec Jackie Chun. C'est qu'en gros, normalement, tu vois, là j'ai raté. Alors, donc, ouais, voilà, c'est ça. Alors là, j'essaie de te montrer, donc forcément, je me prends des coups de merde. Ouais.
Donc en fait, je peux vraiment le faire, tu vois. Et quoi qu'il est contre-abord, parce que ça le repousse. Ça le repousse vraiment beaucoup. Alors quand tu lui restes peu de vie comme ça, tu peux tenter le Kamehameha, mais bon. Voilà. Okay. Dans l'idée d'un fight optimal, on va le refaire ce petit passage. Hop. Au pire, je pourrais le quitter si je veux, c'est pas un problème. Je l'ai fait. Ouais. On le refera. Au pire, il y a un deuxième tournoi et là, je le ferai de manière optimisée, enfin, comme j'ai l'habitude de le faire. Ici, bah, on prend le Kamehameha niveau 3 quand même, c'est important. Donc, tu jusqu'au Kamehameha niveau 3. Toi, comme t'es sur ému, tu vas faire que des Kamehameha niveau 3. Dès que t'as beaucoup d'ennemis, tu Kamehameha niveau 3. Tu t'en bats les couilles parce que t'as pas de lac. Ok. Moi, je suis obligé de gérer avec les Kamehameha niveau 2 et niveau 3. Mais toi, tu t'en branles. Ici, bah, tu filmes d'abord les loups. Une fois que t'as fait les loups, t'as les robots là-haut. Voilà. Enfin, t'as les loups, t'as les chiens et ensuite les robots. Donc dès que t'as un ennemi qui est un peu loin, Kamehameha. Voilà. Et lui, tu vois, il vient de fuir, il m'a fait gagner du temps. Kamehameha niveau 3, c'est un match. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est que normalement, dès que tu dépasses un petit peu ce pilier là, tu vas commencer à charger ton Kamehameha. Et là, pouf, tu lui mets 4 coups et t'enchaînes le Kamehameha full chargé et ça le fait. Là c'est vraiment de l'opti de dégâts, c'est tu mets 4 coups n'importe lesquels. Et ensuite tu fais ton Dragon Rush avec le Kamehameha niveau 3 chargé. Et si c'est bien calé, ça le tue. Donc là, Kamehameha niveau 2, voilà sur 2. Et Kamehameha niveau 1 si t'arrives à les caler sur les petites merdes. Les robots c'est les pires ennemis. Donc là Kamehameha niveau 2, tu vois. Oh waouh! Mais tu peux renvoyer les missiles aussi. Là tu vois, tu tapes en même temps que tu sors ton Kamehameha niveau 2, paf, tu mets Kamehameha niveau 2. Et là, voilà, ça c'est parfait. Kamehameha niveau 3 pour toucher une ligne et essayer de les enchaîner. Et là, ce qu'on va faire, tout simple. 1, 2, 3 coups. Dragon Rush. Et tu veux essayer de le tuer le plus sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas venir ici et tu vas récupérer ce blade. Oh oui. D'accord. Et là, tu fais Kamehameha niveau 3. Bon là tu vois, ils vont tous me sauter sur la tronche. Kamehameha niveau 3. Il faut le viser dans mon train dans l'arbre. Pas obligé, normalement ils peuvent attendre. Voilà. Et t'en mets 3 et c'est fini. Bah ça. Voilà. Si tu veux, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer d'aller les taper, de déclencher leur garde, et après tu mets le Kamehameha. Donc là, tu vois, il y a ce robot qui apparaît tout seul, et il y en a un dernier ici. Et c'est là que tu veux faire double kick, enfin double punch, et ensuite dive kick. Comme ça, tu vas directement dans la direction que tu veux. Ici, bon bah, tu l'auras compris, c'est Kamehameha Land. Et là, il faut tuer ces deux merdes. Voilà. Ici, c'est d'abord les bleus. Ils sont là-haut, on a 4 à tuer. Ensuite, tu descends. Voilà. Une fois que tu les as tués, bah tu remontes. Et là, tu dois plus tuer un seul ennemi normal. Cette vie-là, okay. Tu ne la prends pas. Ok. Ça déclenche un fight. Pourquoi? Ah oui, ah ok, j'ai un vide. Oh waouh. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est le boss fight. Bah, c'est comme pour l'histoire des rochers. Voilà.
t'as le temps d'esquiver, t'esquives. Si t'as pas le temps, tu t'en branles. Ok. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre 1, 2, 3 coups. 1, 2, 3 coups. Et t'enchaînes. Oh. Tu lui mets les 3. Voilà. Tu réfléchis pas parce qu'en fait, tu vas régénérer tout ton ki ici même. Voilà, c'est gratuit. Oh. C'est gratos. Donc ce boss là, c'était un enfer en casu. Et ça en est pas du tout en speedrun. Ici, bah, tu essaies de fresh up des Kamehameha. Écoute. Là, voilà. Tu passes en haut à droite et tu reviens en arrière. Ah oui, c'est le fameux. C'est. Voilà, c'est ça, c'est le général boost, c'est la grotte. Donc ici, bah voilà. Le chemin, c'est celui-là, c'est le plus rapide. Et il n'y en a pas d'autre. Enfin, si, il y en a un autre, mais il est beaucoup plus dur. Ici, ces rochers-là, ils demandent 4 coups. Donc en fait, tu fais 3 coups et tu cliques. Ensuite, tu montes ici parce que de toute façon, c'est le chemin. En bas, t'as un outil. Et l'upgrade que j'ai raté au tout début, là, c'était un upgrade de vie. Donc si t'es pas confiant, tu peux le prendre. Donc ici, hop. Tu vois, tu mets des Kamehameha pour te retourner pour essayer de tuer tes ennemis là rapidement. Mais sinon, rien de méchant. Voilà. Donc là, passe à gauche. On revient en arrière, on passe à gauche. Là, ce que je fais là, c'est que je me retourne, je mets des coups de bâton. Et dès qu'il y a un ennemi qui est devant moi, hop. Kamehameha. Voilà. Kamehameha niveau 2. Et du coup tu peux prendre le truc et tu les défonces avec un coup. Il suffit que tu les remettes un coup comme ça et puis après tu peux les défoncer. Donc là ici il faut bien rester là un petit temps. Le temps qu'il spawn. Voilà, Dragon Rush. Voilà. T'essaies de le tuer comme tu peux. Tu lui mets soit un Dragon Rush, soit deux. Si tu lui en mets deux, tu lui mets les deux dessus. Tu lui mets les deux dans le fait. Ouais. En gros, il va falloir que tu régènes quand même ta barre pour le général boost. Là, ici, ce que je fais, c'est que j'aime rester en bas. Donc, je les tue tous en bas parce qu'ils vont essayer de venir. Ils pourront pas trop te toucher parce que bah, il y aura les plateformes qui vont les empêcher de te toucher. Voilà. Et ça, c'est la dernière phase. Là, il n'y a plus trop d'ennemis. Voilà. Il va y avoir en fait des putains de chauves-souris là, voilà. les films comme tu sais. Et là, il y a le trigger qui permet de passer à la phase suivante, c'est les chauves-souris. Donc tu mets des Kamehameha. Dès que t'envoies. Il faut que t'en butes 5. D'accord. Voilà, tu vois, j'ai... Hop, ça va. Tac. Donc 1, 2, 3, dive kick. 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 Toi, c'est que t'es sur ému, Kamehameha. Ok. D'accord. Ici, bah, là, quand il est bleu comme ça, tu le regardes pas. Normalement, sinon, tu mets tes combos et puis bah, ça réfléchit pas. Voilà, et tu peux ensuite, une fois que tu lui mets des combos, si t'es assez proche de lui, tu peux enchaîner avec des coups de B, avec des coups du démon, pour dire, prends-toi ça encore un peu, tiens, encore un petit coup. La tour Karine, c'est un passage marrant, parce qu'en fait, là, ce qu'on va faire, on va avancer vers Tai Pai Tai, et dès qu'il te break comme ça, tu vas essayer de refaire un coup vers l'avant, vers lui. Donc là, on fait L et R pour passer derrière lui. Voilà, donc là tu m'as vu, en fait je me suis pris deux fois le coup. Pourquoi en fait on veut se prendre au moins un coup pour pouvoir être KO sur ce coup là? Parce que si tu te prends pas au moins deux fois le coup, ou tu te fais break avec ta garde en gros, bah il va te rester un pouillème de vie, et c'est de la merde. Et du coup faut que tu te relèves pour qu'il te break encore. Okay. Donc ici ce que je fais,
je me mets dans un coin, je regarde le coin, et je me retourne, et je chope. Ok, il n'est pas répondant ? Non, mais c'est aléatoire, mais... Ok. En fait, le truc, c'est que tu manipules en fait le fait qu'il ne peut pas apparaître à gauche de toi, ouais, ou à droite de toi. Donc du coup, tu sais dans quelle direction tu dois déjà aller. Et tu le chopes rapidement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une manipulation, elle fonctionne pas vraiment. Mais voilà. Et là, ici, du coup, bah tu refais comme dans le Tayo Pai Pai. Là, je te montre le stick pas. Je le fais, paf, voilà. Tayo Pai Pai, c'est un des plus simples à deux frames aussi. Ouais, c'est beaucoup plus simple sur Tayo Pai Pai parce qu'il a une animation très lente. Quand il commence à te repousser, en fait, tu peux le faire. Tu vois, il y a un moment où en fait, Tayo Pai Pai te repousse. Bah c'est là que tu peux commencer à faire B et bas pour lui mettre dans la tronche. Donc tu lui mets des extended combo. Voilà. En lui mettant des extended combo. De quoi? Tous les boss fights, ouais, tous les boss fights comme ça en 2D, enfin en versus, c'est que ça, c'est tout le temps ça. Alors, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Bah celui qu'on va voir là, en fait, il est plus dur. Le prochain qu'on va vraiment faire est plus dur. Ça, c'est le stage de la RNG, c'est le seul autoscroller du jeu. Alors. C'est pas RNG en fait, l'apparition elle est pas RNG, là ça va apparaître en bas et en haut, voilà. Ça va réapparaître en haut et en bas normalement. Voilà. Tu veux essayer d'avoir au moins ton Kamehameha niveau 2. Voilà, donc là je l'ai. Pourquoi? Parce que du coup t'as envie de pouvoir balancer des Kamehameha niveau 2 sur les ennemis. Parce que comme il va très loin, c'est pas possible. Là ici, hop. Bon voilà, quand il décide de troll les ennemis, hein. Bon. Donc moi quand j'ai un Kamehameha niveau 3, j'aime pas. Et puis non, d'accord. C'est pas vraiment une... Voilà, donc c'est les gris et les bleus qu'il faut tuer. Les jaunes, la blanc, on s'en fout. T'en auras quand même franchement. Donc là ici, là c'est à peu près ici. Tu vas pas au fond du scrolling parce que du coup voilà. Et en fait t'attends que les ennemis spawn, parce que si tu vas tout au fond, ça peut se battre. Voilà. Et du coup tu restes le plus à droite quand même pour que le scrolling reparte du plus à droite. Donc si tu veux, tu peux renvoyer les bouboules avec ça. Hein. Voilà, hop. Voilà. Donc c'est vraiment les avions qui font que tu passes vite l'écran. Hein. Et normalement, une fois que t'es sur ce dernier écran, bah là t'as juste à attendre. Et hop, tu skips en faisant deux fois ça. Et ça, c'est un des niveaux... Ah, le skip le plus dur du jeu, mais vraiment le plus dur du jeu, et pourtant c'est juste, c'est pas beaucoup d'input. Hein. Là, c'est le niveau avec le général Zap. Oui, c'est ça. Tu vas voir qu'il y a un passage, en fait je vais faire un skip. Au début, vraiment, je le fais pas. Parce que c'est vraiment très complexe, et je vous le conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo, ne faites pas ce type au début parce que bah, il est débilement dur. Et qu'en plus, bah, c'est moi qui... Enfin, la fois que je vais vous montrer, c'est moi qui l'ai trouvé. Et c'est... Il y a 3 pixels qui fonctionnent, 3 frames qui fonctionnent pour lancer son dive kick. Enfin, c'est très complexe. Donc là, ici, on peut récupérer
On récupère son le Kamehameha pour faire des Kamehameha niveau 2. Tu calques ton Kamehameha, ça te précharge le Kamehameha niveau 1, tu mets jusqu'au 2 et t'y vas. Voilà. Très fin. Du coup ici, hop, si t'as le Kamehameha niveau 3, bah du coup tu fais un hit, je t'ai écarté, et Kamehameha niveau 3 et 7. Donc il faut d'abord lui mettre un hit, ou tu lui mets après, mais en gros c'est Kamehameha niveau 3 plus un hit ou Kamehameha niveau 4 pour les tuer ces mecs là. Okay. C'est ici que c'est ici qu'est le skip le plus dur. Alors, premier truc à faire, on pète ça, ok. Tu prends un peu d'élan. Dommage. Ah ouais. À toi. Ouais. En fait, tu veux pas arriver sur ce pas. Tu veux pas arriver sur ce pont. Alors, je vais faire le. Je vais te montrer pourquoi c'est long. Hein. Voilà. T'as deux ennemis comme ça à tuer plus le premier ennemi. Voilà. Et du coup, tu peux passer le truc. En gros, l'idée c'est. Ok. Alors, en gros, là tu vois, j'aurais pu backup. La vraie, enfin, la strat qui a été trouvée à l'origine, c'est de faire ça. Et ensuite de faire ce truc là. Voilà. C'est ça la strat, normalement. Mais moi j'ai trouvé une strat où justement t'as pas besoin de faire ça. Donc tu vois, si on passe sur le tour, on se fait. C'est vraiment, en fait, si tu sautes vraiment au pic du saut, en fait, t'attends, faut vraiment pas toucher le truc. Et une fois que t'as atteint le pic du saut, enfin pas forcément le pic du saut, mais l'idée c'est vraiment, faut vraiment être au plus haut possible ou presque, sans se faire remonter par le truc. Le truc c'est que si tu fais un dive kick, tu vas remonter un petit peu, et c'est ça qui est mauvais. Et du coup là tu vois, je land parfaitement dessus. Il y a 3 pixels qui fonctionnent. C'est très très chaud. Il y a 3 ou 4 pixels qui fonctionnent, pas plus, je crois. J'ai pas exactement time, enfin, c'est calculé, mais voilà. Et donc, si tu le fais un peu bas, donc là je l'ai bien fait. Si tu le fais bas, donc si t'as un peu peur, hein, normal, hein, si t'as un peu peur, si tu le fais un peu bas, il faut que tu fasses ça. Voilà. Donc, autant dire que faut que tu réagisses au quart de tour. Ouais. Voilà. Bon, par contre, ça sauve 20 secondes. C'est un fight qui est horrible. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas utile. Et si t'arrives pas. Donc normalement t'es censé avoir le Kamehameha niveau 3, hein, parce que j'ai bousillé mon Kamehameha tout à l'heure. Mais voilà. Donc là ici ce que tu peux faire c'est essayer de le choper le plus vite possible lui avant que tu fasses n'importe quoi. Et là Kamehameha niveau 2, puis le dernier, voilà. Faut savoir que le vert là il peut ne pas spawn. Il peut être spawn mais tu le vois pas, donc balance un Kamehameha et je crois que c'est. Si, mais c'est à la toute fin. Voilà, ici bah c'est du fait. C'est les seuls upgrades que tu récupères, voilà. Parce qu'en fait le Kamehameha niveau 4 est trop fort. À la fin du jeu en fait il est trop fort parce qu'en gros ça trifile tout ton Kamehameha et ça te permet de battre en fait l'ombre de Krilin très faible. Donc là on se souvient, hop, un petit coup, Kamehameha niveau 3 et on y va. Donc là t'essayes d'esquiver un petit peu les bouboules qui peuvent t'arriver sur la tronche, faut anticiper, là tu sautes, ici, c'est un skip, dès que tu vois ce mec bleu et une grande tour, tu fonces tout droit. Okay. Tu vas là, tu fais up plus A et tu passes. Alors, tu te dis, bah ouais ok d'accord, mais pourquoi? Voilà pourquoi. Il y a un fight obligatoire ici sur le pont. Et le trigger est sur le pont. Et ça lag. Tu vois ? Donc tu fais ça, hop, tac, et tu passes. Et ensuite tu vas dans le fight. Donc là c'est général lag. Donc ce que tu fais c'est que tu sors ton Kamehameha niveau 3. Et t'espères qu'il va pas s'envoler. S'il s'envole et qu'il fait ça, tant mieux. Tu lui renvoies. Et là, hop. Et voilà. L'idée, c'est de faire ça tout le temps. De faire trois combos comme ça et d'essayer de le tuer le plus vite possible sans qu'il y ait ce barré. Ce barré, c'est 15 secondes de perdu gratuit.
ce fight là, j'ai rien à te dire dessus. Démerde-toi. Ce fight, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais, jamais, jamais être sur la langue à l'extrémité, sinon tu meurs. Moi je me mets sur le côté, mais ne le faites jamais ça chez vous. Voilà. Pourquoi? Parce que justement il est invulnérable et puis il peut te faire son coup de fourche, et ton coup de fourche te fait aller dans le trou et tu meurs. Voilà. Gohan, c'est le plus dur des ennemis à affronter. Pas parce qu'il a une grande hitbox, mais parce qu'il se relève tellement vite. Voilà. Ah ouais, ok. Faut être un 2-20 pour savoir quand lui mettre le coup. Je crois que j'ai jamais réussi à lui mettre le coup vers le bas. Parce qu'en plus, même quand il se relève, il est capable de te mettre un coup direct. Quoi. On va se taper à Kamehameha niveau 3, voilà qui va. Hein, et puis, voilà. C'est le seul truc que j'arrive à faire, c'est essayer de pré-shot quand il a sauté pour lui mettre un Kamehameha dans les airs. C'est tout. Sinon, c'est impossible. Je sais pas comment il fait, je sais pas comment il est codé, mais il se relève à. En 4 frames, il est debout. Hein. Mais en plus, vraiment, le fight d'avant, versus c'était top et pas utilisé, c'est le plus lent. Ouais, et lui, c'est le plus rapide. Oh, la misère, quoi. C'est. Il n'y a aucune logique. Ici, ce que tu veux faire. C'est. Tu vas vouloir faire en fait des up kicks pour essayer de renvoyer des missiles. Et là, dès qu'il a plus de vie, tu lui fais ça. Ou tu le fais en début, le R plus L, d'accord. Et après, tu fais. Tu spams ton. Tu mets ton bouton vers le haut et tu spam B comme un bourrin. Voilà. Okay. Et du coup, t'auras des chances de renvoyer ses missiles. S'il renvoie des missiles, c'est très avantageux, ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que, en gros, tes coups font 42 dégâts, les missiles que tu renvoies font 110. Wow, okay. Donc, un missile renvoyé, c'est 3 coups que t'as mis. Donc, à moins d'être un putain de démon et faire des dive kick, up kick constamment, ouais. Bah, vaut mieux en fait être constant à faire du 110 de temps en temps plus 40-40-40. Que de faire du 40-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 
Tu peux aussi se TP. Ils peuvent tous se TP en fait. Mais c'est pas qui vient. Et moi je me pose la question si tu connais la dernière attaque que je t'ai faite. Dans le fight de Piccolo, tu peux faire une attaque spéciale. Ah ouais. Bah c'est sûr que je la connais pas. T'es sûr que tu la connais pas. Donc voilà, donc une fois que t'as fait ce fight, là t'affrontes ce mec, Bon bah voilà, il part en phase invulnérable et sur cette phase là, c'est de la merde. T'es obligé de perdre. Non. Ah si. Je suis très vite. S'il le fait, t'as juste pas de bol. Une fois qu'il fait ça, bah voilà, il passe en... comme ça. Et là, t'es dans le fight de... Alors, là, t'avances. Tu ne fais qu'avancer. Si tu fais qu'avancer, tu mourras toujours de la même façon. Voilà. Et c'est le plus rapide. Ok. Faut avancer. Une fois que t'as avancé, que tu t'es pris le premier coup, tu peux arrêter de bouger. Mais faut d'abord avancer. Voilà. Ici, c'est le labyrinthe de merde. Le dernier. Vrai stage de merde. Bah voilà, en fait, il faut sauter là, tout de suite. Donc là, tu continues d'aller tout droit. T'as un fight obligatoire. Tout clean, ok. Donc là, c'est à gauche. Il faut prendre vers le haut d'abord. Donc tu prends vers le haut, tu prends vers le haut, tu prends vers le haut. Ok. Là, tu prends vers la gauche. C'est ça. Et donc là, tu vas tout droit. Voilà, okay. Ça c'est la première phase. Et là, tu vas affronter un mec que tu détestes. Voilà. Oh putain. Donc l'idée, c'est d'avoir les deux Kamehame, enfin d'avoir tes deux Dragon Rush et t'essayer du mettre que je viens de faire. C'est pas évident, mais il faut essayer. Oui. Parce que sinon c'est un enfer. Bah il y a alors tu vas voir qu'il y a celui-là bizarrement c'est plus simple. Ok. Donc là c'est le troisième. Voilà, alors tu récupères le Kamehameha niveau 4. Et là bah tu fais 1, 2, 3. Kamehameha niveau 4. 1, 2, 3. Kamehameha niveau 4. 1, 2, 3. Tu passes dans le dos. Kamehameha niveau 4. Alors. Il a pas tout pris parce qu'il a pris son attaque en même temps, mais voilà. L'idée c'est de faire le Kamehameha niveau 4 au max. Là tu prends la première sortie et tu fonces. Et là. Tu mets quelques coups et là t'enchaînes. Voilà. Ok, Krillin c'est tout ça. Krillin c'est une connerie parce qu'en gros, tu veux vraiment pas qu'il bouge. Il a 4 barres de vie. Et bah ou l'enfer en fait. Donc tu lui mets toute la sauce possible dans la gueule. Parce que t'as pas envie qu'il se relève. Ok. Et là c'est le dernier niveau. Ce fight là est pas dur. Faut juste. Une fois que tu l'as chopé le gars. Donc en fait si tu fais up plus A et B, donc A plus B d'abord, tu vas pouvoir envoyer les mecs dans les airs. Ça je pense que tu le sais. Oui. D'accord. Ici ce que tu vas faire. C'est ça. Voilà. C'est pas évident, mais en gros tu l'envoies dans les airs. T'essaies d'un petit peu le comboter d'abord dans les airs. Dès que t'es retombé, tu lui mets quelques coups, tu dragon rush et tu lui remets quelques coups. Si t'arrives à le tuer sur la droite de la carte, c'est mieux. Tu vas gagner un tout petit peu de temps. Tu vois, là j'ai perdu. Allez, un pas en gros. Alors là, pardon, pour faire ça. Et là, ici, tu vois, t'as un petit truc ici.
pulpette, tu récupères le Kamehameha niveau 2, quasiment. Et là, dès que tu peux, tu vois, tu les fais tomber les ennemis parce qu'ils sont très chers. C'est ça. Ici, hop. Donc lui, attends pas qu'il tombe lui. Hein. C'est mieux de pas attendre qu'il tombe. Si tu peux le tuer dans les airs, vas-y. Si tu arrives pas, bah tant pis, ça va lui dire. Hein. Ici, ce que tu peux faire, toi, c'est Kamehameha niveau 3, comme d'hab. Hein. Dès que t'as le Kamehameha niveau 3, de toute façon, avec les ennemis, bah vas-y. Hein. Ces ennemis-là, ils sont relous. Voilà, t'arrives à comboter ici aussi, c'est pas mal. Là, hop, dès que t'as déclenché le trigger, tu reviens en arrière. Comme ça, tu finis sur la droite. Là, tu ressautes parce que cet ennemi-là peut taper. Dès que t'as un ennemi comme ça, tu sautes. Parce qu'en gros, ils peuvent te mettre des coups de pied. Hyper relou, là. Kamehameha niveau 4. Voilà, et là... On va se servir du Kamehameha, alors tac, petit wall jump ici. Kamehameha. Ah, il peut se protéger, très bien. Oui, il peut se protéger. Ici, il va te mettre tout à droite, Kamehameha niveau 4. Ok, c'est un peu plus tranquille. C'est guidé en fait, ouais. Un peu plus tranquille. Donc là, il est pas mort le mec, hein, donc voilà, il est là. Hop. Ici, paf. Tu vas attendre. Tu mets ton Daiboken, boum. Daiboken. Tu sautes, Daiboken. Oui, top screen, hein. Et c'est le dernier stage. C'est fini. Là, oui. c'est le boss de fin. On y va. Donc, c'est Daimao Piccolo. Donc, le jeune Piccolo. Enfin, le René. Il a 5 barres de vie. Il peut contrer. Kamehameha niveau 2. C'est l'ennemi le plus simple à comboter. Mais par contre, il se relève, il peut sauter très vite. Donc là, je l'ai comboté pour le mettre sur la droite. T'as envie qu'il reste là. Et donc là, dès que t'as le Kamehameha niveau 4, bah t'enchaînes. Hein. Et je te montre attaque spéciale au dernier coup. Pour la déclencher, faut faire... R plus L. Ça ne marche plus sur lui ? Bah ouais, parce que t'as fini. Y'a que là que t'as quand même une casse. T'es prêt ? Oh mais oui ! Eh ben ça c'est de la qualité. Mais ça reste toujours incroyable. Voilà, c'est l'attaque, c'est le combo. Donc en fait, ça fait très très, très mal très très vite. C'est un peu plus rapide, même si t'as la petite animation de le faire. Si tu le fais très tôt, et ben en gros, Goku va se lancer dessus. Ça gagne une demi-seconde, je crois. Et voilà. 1h02, bah tu vois, j'ai réussi à faire moins d'une heure en parlant, en t'expliquant les trucs. Voilà. Parce que là, je pense que j'ai dû commencer le speedrun à peut-être 10 minutes de vidéo. Donc c'est un 50 minutes. Oh, wow. Voilà. Et tu split. Tu split au dernier, au moment où le chaos apparaît. Ok. Chaos apparaît, split. C'est ça. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on speedrun Dragon Ball Advance Adventure. Donc okay. Maintenant, c'est à toi. Faut savoir que le deuxième temps FR actuellement, c'est un 53, 12 ou 13, un truc du genre. Il y a Kazuya qui va aller chercher le record de le deuxième français. Enfin, deuxième français. Bah écoute, vous pouvez vous péter la bourre, hein, moi ça me va. L'idéal, ce serait que vous alliez chercher mon record du monde.
Ouais, tu vas aller chercher ton record du monde et puis avec un peu de chance, on va venir se taper dans quelques mois. Bah voilà, ouais, non, bah, moi tu sais que j'ai... Alors si tu veux savoir combien de runs j'ai fait de ce jeu, et là tu vas dire non mais t'es un malade. j'ai fini uniquement, je crois, une quarantaine de runs. T'as fini une quarantaine de runs? Ouais. Ça va, c'est tout. J'ai à peu près... Ouais, et j'ai un peu moins de 200 heures de jeu sur le speedrun du jeu. Et les 100, il y en a une centaine d'heures que j'ai fait, c'était juste pour passer du top 3 au top 2. Waouh. Oui, parce que mais c'est rare quand t'es passé top 2. Oui, c'est en février. Ouais, je me souviens avoir vu, en fait, je voulais demander comment faire speedrun et tout, je demandais quel outil pour faire speedrun, etc. Et j'ai dit, putain, j'avoue que DBH, je suis trop fan du jeu, c'est un jeu auquel personne joue et j'ai trop envie que les gens y jouent. Génial, il est incroyable. Et je suis allé voir Speedrun.com et j'ai vu que le troisième était en français. Et là, quand je peux retourner voir, parce que j'ai un petit peu de temps récemment, pour vraiment pouvoir me lancer, c'est pour ça aussi que j'ai envie de passer deux ans. La France est une autre. Ouais, faut savoir que. C'est ça. Bah, en fait, le record du monde, techniquement, je considère que je l'ai dans le sens où. C'est pas de la prétention, mais en fait, comme il joue sur émulateur, le gars, il a pas de lag. Okay. Donc c'est pas fair par rapport à la console. Tu vois? Ouais. Parce qu'en gros, il joue déjà... Alors déjà, son framerate est à 60 FPS constant, le mien est à 59-75. Donc déjà, en fait, je perds 12 à 13 secondes juste parce que je joue sur console. Par rapport à quelqu'un qui joue sur émulateur, qui est pas aussi fidèle que la console. Donc déjà... Rien que là-dessus, je suis à 40-33, tu vois sur le c'est marqué 40-22, c'est le record du monde, moi c'est mon temps, c'est 40-33, top 2. Bah du coup juste pour les 12 secondes, je suis WR. Voilà. Ouais. Et après je considère surtout que quand tu commences à être dans les top 10, si tu joues pas sur console, bon c'est un peu dommage. Mais je suis... Après toi tu t'es chopé, hein, t'as chopé une copie du jeu japonaise. Ça, tu sais combien ça m'a coûté? Dis-moi. Alors pour tous ceux qui écoutent encore le tutoriel, ce serait incroyable. Ça m'a coûté 3 balles. Ouais. Wow. 3 balles, version officielle sur AliExpress. Bonjour. Ok. Voilà. C'est pas dit que t'en auras une, mais c'est possible de trouver des versions officielles sur AliExpress mais à 3 balles. Ok, j'irai regarder en vrai, parce que j'avoue que pour l'instant c'est facile de jouer sur EMU et tout, donc je vais commencer sur émulateur. Ouais. Mais si je peux passer sur le matériel d'origine, je trouve ça beaucoup plus stylé en vrai. Alors pour ça, il va falloir que tu aies une capture, soit une capture SD. C'est tout ce qu'il faut. J'ai une GameCube, j'ai une Game Boy Player. Pour brancher la, ouais, pour la brancher à ta GameCube. Et j'ai un adaptateur HDMI pour la GameCube. Ok. Et si t'as en plus l'adaptateur pour jouer avec une manette de GBA au lieu de jouer avec une manette GameCube, bah t'es encore mieux, si niveau confort quoi. Ouais. Voilà. Mais je crois que sur ma GBA, les boutons LR, ouais. le bouton L, il est pas en bon état. Ouais, ça c'est le problème. C'est que souvent les gâchettes sur les consoles GBA, c'est de la merde. Ah ouais, c'est de la merde. Donc merci d'avoir regardé ce tuto, les gars. Ça a duré un peu moins d'une heure dix. Il n'y avait pas le début de l'intro, mais l'intro était pas non plus le plus intéressant. Ça expliquait vraiment les combos du jeu et puis un petit peu comment se battre. Si vous savez déjà comment le faire. Bah voilà, bah c'est très bien. Sinon, bah je crois que j'ai fait un petit récap aux alentours de 17 minutes quand le micro s'est activé, mais dans l'idée, il n'y a pas grand-chose à savoir. Et de toute façon, vous avez toutes les techniques pendant le speedrun, donc au final, c'était vraiment pour présenter vraiment spécifiquement les combos du jeu avant de lancer la run pour Tenchi, mais bon, pour vous, ce sera peut-être... Il n'y aura peut-être pas spécifiquement besoin de ça. Si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas à me DM comme l'a fait Tenchi. C'est pas du tout creepy, c'est pas du tout bizarre. Moi, je vais juste demander salut qui c'est en pensant que c'est un scam. Mais en général, j'accepte. Et ensuite, si ça me dérange, je désaccepte. Voilà, je vire les gens. Parce que je suis comme ça, moi. Je suis pas. Voilà. Bref. Il a été super sympa, super accueillant. En tout cas, des bisous tout le monde sur YouTube. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.